Aujourd'hui, j'ai tout le moins. Je peux te prendre ici pour t'envoyer avec moi en Europe. Je peux faire ça. Mais il ne fait rien qu'il était un qui n'a pas une affaire. Il est un étien qui va s'occuper de la maman. Il n'y a personne. Donc avec ça, ma idée de ma famille, j'avais pris le projet avant que je vienne. Donc le projet, c'est quoi? J'ai au moins quelque chose de 2 ou 3 conteneurs que j'ai commandé. J'ai mis les marchandises dedans. Donc le patron doit atterrir à Conakry. Donc j'aimerais mettre un projet en place ici. Mais c'est toi qui vas gérer le projet. Quand tu gères le projet, ce qu'il y a entre toi et moi, c'est juste de me remonter des informations, me faire des comptes rendus, comment on va faire. Parce que vous voyez, et moi je n'ai pas demandé l'intérêt. L'argent que j'ai investi dedans, si l'argent la sorte, je peux payer d'autres marchandises encore, je t'envoie. Moi je ne te demande pas l'intérêt. Et l'argent que j'ai investi dans le marchandise, et une fois que j'ai mon argent là, tout ce que tu gagnes comme intérêt, et ça te revient, c'est pour toi. Tu n'as pas le compte quand avec quelqu'un. Et mais avec ça, toi, si tu peux mettre tes propres entreprises en place ou tes propres projets, tu peux mettre ça en place. Parce que, ouais. Mais à l'instant T, quand les marchandises vont venir, moi je vais faire le déploiement. Soit ça va se passer devant moi ici, soit je ne suis pas là. Et, mais dans tous les cas, si ça va se passer devant moi ici, je vais dédouaner tous les 3 conteneurs, je mets à ta disposition. Si vous comprenez. Il y a des moteurs de véhicules qui sont dedans. Donc je sais que réellement, c'est des projets que ça marche vite, vite chez nous ici. Voilà. C'est un peu difficile. Si tu vois certaines personnes qui vivent à l'Occident, et il ne fait pas un coup d'œil en Afrique ici, aider nos frères et sœurs africaines qui sont là. Parce que tout simplement, quand tu as un homme de confiance, tu prends ton argent, quelque chose de 20 000 euros, 30 000 euros, tu payes les marchandises, tu l'envoies. Il revend pour te retourner de l'argent, il bouffe tout. Tu n'as pas ton marchandise, tu n'as pas ton argent. Ça décourage les gens. Ça a découragé beaucoup de personnes. Tu vas voir qu'il a des meilleures idées, mais il ne peut pas investir son argent dans les
dans les faux trucs et puis il envoie ça pour vous et puis voilà, vous faites gâter son argent. Ça peut pas marcher. Est-ce que tu comprends? Mm-hmm. Moi, tout ce que je te demande, c'est de travailler avec moi, de la sincérité et l'honnêteté. Mm-hmm. Moi, si tu demandes mon argent, je vais pas te frapper. Je vais pas te accepter. Non, c'est un deal. Non, attends. Tout simplement, toi, tu es jeune frère de ma maman. D'accord? Je vais pas te frapper, je vais pas t'accepter. Parce que comment on commence à trône, la maman va s'impliquer dedans. Et quand elle s'implique, je peux rien faire. Est-ce que tu comprends? Mais si tu demandes l'argent là, ça va trouver que réellement c'est fini entre toi et moi. Personne ne peut dire que je ne t'ai pas aidé. C'est la vérité. Moi aussi, je ne suis pas mineur, je suis majeur maintenant. Je suis conscient. Je suis d'accord. J'ai mes diplômes. Ouais. Ce que je voudrais vous dire vraiment en sincérité, en toute franchise, je suis très content. Depuis que j'ai terminé les études, je suis là. Sauf que je me débrouille dans les petites entreprises là. Parfois, tantôt ça marche, tantôt ça marche pas. Vraiment, si vous prenez cette initiative, je ne fais que vous remercier, vous encourager. Inch'Allah, ça va aller. Il faut m'essayer. La chose, la vie là, c'est facile, c'est pas facile. C'est compliqué, c'est pas compliqué. C'est même pas compliqué. C'est le monde qui a compliqué. C'est nous les êtres humains qui a compliqué la vie. Voyons, avant notre naissance, là où le soleil s'élevait, c'est jusqu'à présent le soleil s'élève là-bas encore. Là où le soleil se couche, jusqu'à présent le soleil se couche là-bas encore. Donc rien n'est compliqué. C'est nous les êtres humains qui a pu compliquer la vie. Soit tu es honnête, soit tu es malhonnête, soit tu es véridique, soit tu es menteur. Est-ce que vous comprenez? Donc dans tous les cas, tout ce que tu fais, prends la vie du bon côté. Quand tu as la vie du bon côté, être patient et être courageux. C'est tout ce que je cherche. Vraiment, moi, quand même, je suis très content de faire que Dieu bénisse. Amen. Et guide vos pas. Amen. Vraiment, Inch'Allah, vous n'êtes pas vous décevoir. Inch'Allah, comment je souhaite. Thank you.